monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de faire le tour de mon bureau. Donc, vous allez voir qu'il y a eu du changement par rapport à mon ancien bureau. Je vous avais montré en photo sur Instagram, je crois. Et voilà, vous allez voir qu'il y a du changement. Il y a du changement. Donc, c'est parti. Je vous laisse avec la suite et je vous reprends juste après pour la conclusion. Voilà comment se présente mon bureau. Faites pas attention à la poubelle, il faut que je la vide parce que je viens d'ouvrir... Je viens de faire la vidéo haul, etc. Bref. Donc voilà à quoi ressemble mon bureau. Et avant, je n'avais que cette partie-là. J'avais pas un côté en plus. Et alors imaginez-vous, un ordi plus tout ce qu'il y a. C'était compliqué. Donc là, je suis trop contente. J'ai enfin un très, très grand bureau. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout d'abord, j'ai ma chaise de bureau qui est comme ça. J'ai enlevé le plaid que j'ai mis dessus. Voilà, elle est comme ça. Donc moi, je mets un petit plaid Stitch parce que j'aime bien Stitch et que j'ai envie d'avoir du Stitch dans ma vie. Voilà, ma petite chaise. Ensuite, vous avez donc mon ordinateur. Donc, il est juste là. Voilà, qui est comme ça. Donc ça, je l'ai acheté chez Action. Je vous l'ai présenté en vlog. Et il y a un TikTok qui va sortir dessus parce que c'est juste trop bien, vous voyez. Tout est rangé, il n'y a rien qui traîne, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai la tour juste en dessous. Là, vous avez planning de vidéos et to-do list. Voilà, rien de passionnant. Je garde ce coin-là bah, pour écrire, etc., etc. Ensuite, hop, j'avance un petit peu. C'est la chaise. Oui. Juste ici, du coup, on a donc mon pot à crayon qui s'est bien rempli. Là, il faut que j'en donne un des deux à ma mère. Je ne sais pas lequel. Père Noël, petit cadeau. Je ne sais pas encore. Et là, vous avez donc de base les pinceaux. Donc avec, j'ai rajouté ça que je vous ai présenté dans la vidéo haul de chez Action. Je ne sais pas encore comment s'en servir. On va découvrir. Et j'ai rajouté avec les deux stylos pompons de la collection Saint-Valentin de chez Action, que je vous ai présenté aussi dans la vidéo haul, qui sort bah, juste après celle-ci. Voilà, vous voyez des petites exclus en avance. Et il y en a un que je vais donner aussi à ma mère, donc je les laisse là. Ensuite, hop, là, vous avez donc pour faire ma to-do list et ma liste de courses. Voilà, mon verre que j'avais acheté à Haribo. Donc tellement craquante, c'est moi. Et que je laisse toujours là. Là-bas, vous avez de tout. Mais des feuilles de brouillon, des mouchoirs, etc. C'est tout un petit coin à tout. Là, vous avez une petite partie créative, donc des tampons, les aquamarqueurs, je crois, de chez Action. Et après, vous avez tout un tas de petits trucs créatifs là-dedans. Ensuite, de ce côté-ci, calendrier 2023, ma bouteille d'eau, un petit pot comme ça. Je vais me trouver quelque chose de plus joli, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, ma petite pieuvre. Et dedans, vous avez vraiment de tout. Hein. Ça va du marqueur à... un gel pour les mains, un chouchou, une gomme, un autre truc, de l'antadis, une crème pour les mains. Voilà, il y a vraiment de tout. Hop. Là, c'est le cadre avec les prénoms des enfants de là où je travaillais avant. Voilà, j'avais envie de les garder un petit peu près de moi. Là, vous avez donc feu, colle, gomme, etc. Scotch, feutre, crayon de couleur. Là, c'est pareil, c'est un panier où il y a de tout. Je ne pourrais pas vous montrer ça, vous le redonne à mon chéri. C'est sa clé USB. Ça, c'est une autre box que j'avais ouvert, mais je crois qu'il n'y a rien dedans. Attendez, on va voir ça. Ma règle mignon qui ne veut pas rester sur place. Aussi, il y a ça dedans. Et des petits stylos comme ça. Voilà. Ensuite, là, vous avez tout un... vous avez le trépied que j'ai acheté. YouTube pour faire du dessin, de la peinture que j'avais pas commencé parce que j'avais pas ce qu'il fallait tout. Celui-là, c'est sur quoi je sais. Mon carnet de recettes, pour ça qu'il y a ça. Les box qu'il faut qu'on fasse. Donc celle-là, c'est une qu'on nous a passée. Donc on veut la faire pour la Saint-Valentin, ça pour nos 5 ans. Mon agenda, ma calculette. Donc, voilà, et j'ai juste ici un petit meuble comme ça qui vient de chez Ikea. Et dedans, je vous montre vite fait, c'est rien d'extraordinaire. Là, c'est tout ce qui est carnet, papier, imprimante à téléphone, etc. Voilà. Là, c'est tout ce qui est papier, etc. que je stocke comme ça, faut que je range. Là, pareil, vous avez un petit peu de tout.
Voilà. Hop. Là, ce sont des réserves de carnet. D'ailleurs, celui-là, que je vais mettre sur l'étagère de Belle. Parce que c'est un de la Belle et la Bête. Donc, voilà. Hop. Voilà, encore du bazar. Et en bas, c'est les feuilles, le dernier. Donc, voilà. Pour le petit tour de mon petit bureau. Voilà, voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que ce bureau tour vous aura plu. Je vous ai vraiment montré que mon bureau parce que toute la pièce en fait, je vous la montrerai à un autre moment. Parce que vous avez aussi mon rangement make-up, rangement bijoux. Enfin, je vous montrerai cette pièce à un autre moment. Comme vous pouvez le voir, les murs sont pas encore finis. Donc je sais pas si j'attends les murs qu'ils soient finis ou si je vous le fais quand même avant. Je sais pas, parce que cette pièce c'est pas clairement la priorité dans les pièces qu'on veut refaire. Donc voilà. Je vais voir, peut-être je vous la tournerai sans que les murs soient refaits et je vous la referai une fois que les murs seront refaits. Je vais voir, donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo.